Mardi 6 mars 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la cabine capable de pour deuxième sortie téléjournal là pour semaine-ci là. D'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi. Rapidement, mes principaux points qui pour faire essentiel le journal là pour maintenir commission intérieure, commission planification dans le Sénat République là. Je suis à parler hier lundi 5 mars là avec le ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin, ministre planification Aviol Fleurant avec la Fédération nationale magistrat haïtien au dossier déblocage faut communal yo tenir mi temps discussion si là yo. Économiste Edi Laboussière a salué décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans affaires commerce faites avec l'argent haïtien. Économiste a encouragé application mais ici là. Directeur général électricité d'Haïti Hervé Pierre-Louis, différentes phases projet réhabilitation ligne transmission pilote 115 kV qui permettent courant rivé Delma 33 dans cadre travail à faire pour capable bail courant 24 sur 24 ans. Hervé Pierre t'a intervenu dans occasion 34e conférence le lundi de la presse dans ministère communication. Et à l'échelle internationale, nous parlons dans la péninsule coréenne pour une fois qu'on a un président nord-coréen, Kim Jong-un, recevoir une délégation président sud-coréen. Rencontre ça peut continuer dans l'idée pour rapprocher dans le cadre des Jeux Olympiques. Toutefois, rencontre ça a ouverti à l'autre négociation. Ensemble, pour ça, on a bien pour faire essentiel le journal pour jeudi, mardi, arrêtez brancher chez nous. On a peut tourner dans un petit moment, tant pis, pas de place. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. On le fait encore. On a souhaité bienvenue dans le développement information. Direction départementale travaux publics, transport, communication pour région nord pays a continué à travailler réhabilitation tronçon route Kankok Vaudreuil. Population travaille salue travail si là. On compte rendu avec Richard John Judah et puis PMC Jean Baptiste. Travail réhabilitation tronçon route Kankok Vaudreuil a avancé à grand pas. Pour qu'il y ait un trottoir à caniveau cap fait sur toute route là, avec un pile tracteur cap fait terrassement, une façon pour faire préparation pour mettre asphalte ou soit béton sur route là. Population salue travail sa cap réalisé qui pourra utile tout le monde qui habite ou soit cap fréquenté route Kankok Vaudreuil là. Je me sens satisfait de travail là et puis tout, bagaille qui pas de jambes fait non pour nous pendant que. Le gouvernement n'a pas encore eu une quantité de temps. Moi, il commence à faire peuple satisfait et demander en pile priorité, en pile prolongement pour bail ça capable durable. Moi, je suis bien déroulé avec le travail là parce que moi, bon, dès qu'on pousse le bateau dans la zone, d'abord, bon, le changement que je viens faire là, je viens faire si vous avez fait si propre, fait si bail, moi, un bel changement fait dans la route là. Parce que la route là, il va conseiller. Bah yo c'est pesable bah yo va faire un seul coup bah yo c'est magistral yo c'est pesable bah yo a fait avec un bel travail qu'a fait dans route là nèg yo fait bel travail bel changement bah pour route là. Directeur départemental travaux publics transport communication nord ingénieur Alain lui expliquer technicien mobilisé sur route Kankok Vaudreuil là pour finir avec travail yo li mandé population prendre patience. Jusqu'à présent c'est un travail qui a marché très bien. Et nous venons sous Vaudreuil et Plaine du Nord là, c'est parce que nous avons commencé de Kankok et nous avons fait préparation de Kankok et Alimbé. Donc nous avons gagné près de 5 km qui étaient déjà préparés de Kankok et Alimbé. Donc nous avons 2 km qui ont été vobéfis déjà mis 0,31,5 pour couche de base là. Donc nous avons imprégné 1,1 km. Donc malheureusement, cause de financement fait que Vob pas continuer avec couche de base là pour nous. Et puis impréhension que nous avons fait déjà. Donc toute impréhension ça a fini détérioré et que nous perdu et impréhension ça que nous avons fait déjà. Mais là, une balle avec ministre. Donc ministre dit que nous avons mis 3 fumées sous chantier ça de Kankok Vaudreuil pour nous capable aller plus rapide. Donc nous gagnons et Kwamko qui a commencé là de Vaudreuil pour nous capable arriver et Kafoukayette. Et puis nous avons un remix cap dans le mita 10 km. Et puis nous avons Vobéfis qui a déjà commencé ensemble avec nous, qui est Kankok et cap descendre vers l'Embé. Donc c'est ça que nous avons pour l'instant. Donc nous avons avancé assez bien. Donc soit regarder là où nous travaillons et nous ne sommes pas campés du tout, même la nuit que nous travaillons. Donc pour nous, si effectivement si nous avons terminé ça et le plus tôt possible. 16 octobre 2017, c'est date ça, chef d'État haïtien Jovenel Moïse.
t'es lancé travail réhabilitation route Concord Vaudreuil là. Information à poursuivre sous télévision nationale d'Haïti et n'a pas fait qu'on a ministère environnement lancé vendredi 2 mars passé à un projet qui porte nom renforcement capacité pour gestion risque désastre avec résilience climatique sous île Ilavache. Projet ça a touché plus passé 15 000 bénéficiaires dans la communauté Sila. Un compte rendu avec Esaïe Aurelius. Projet ça a visé parmi l'autre objectif augmenter capacité l'État et organisation locale. Pour planifier résilience, gérer risque et désastre, bailler accès à l'eau potable et puis créer opportunité dans la pêche à l'autre ressource pour habitants d'Iléa. C'est un comité qui gagne là-dedans le ministère de l'Environnement et l'Agriculture qui a exécuté le projet. Représentant Banque Caraïbienne Développement, une institution qui a financé le projet, Monica Labinette, quoi initiative ça pour qu'elle porte en pile dans l'amélioration de la vie sous Iléa. Banque Caraïbienne de Développement déjà engagé en faveur d'Haïti. Jusqu'à hauteur de 133 millions de dollars. Il y a un pile dans l'agence qui était consacré par Bocla pour améliorer les conditions d'éducation scolaire en Haïti, pour renforcer la capacité du secteur privé et puis pour faire intervention en agriculture avec développement rural. Avec projet ça, le gouvernement voulait apprendre sur résultat pour être capable d'appliquer dans diverses autres îles pays, d'après le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges. L'abservice outil tout pour aider le ministère à mobiliser le moyen l'argent pour avancer avec l'application modèle ça. L'Ilavache va bénéficier dans ce projet de l'électricité, de l'eau, de la pêche. Il doit être renforcé dans ses capacités pour résister aux aléas climatiques. Ce projet va aussi être coiffé par différents comités, comités interministériels. Il y a aussi un comité multisectoriel. Il y a aussi des différentes autorités locales. Ça veut dire que c'est un projet, comme l'a signalé Madame la Présidente tout à l'heure, c'est le projet de l'Ilavache. Le gouvernement a besoin de l'expérience que nous aurons acquise de ce projet pour le répliquer dans les autres îles telles que la Gonâve, la Tortue et autres. Projet ça qui lancé dès mars passé doit arriver dans Boutli dans mois juin 2022. L'a coûté 6 325 000 dollars américains et puis joint financement Banque Caraïbienne Développement avec l'État haïtien. Merci à qui collaborateur nous Esaïe Aurelius qui t'a présenté nos comptes rendus. Si l'autre information dans le journal là, décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans les affaires commerce faites avec l'argent haïtien pour continuer à faire des bandes de société. Économiste Edi Labossière by opinion sous décision si là pendant les encourager application mais ici là, nous avons vite suivi un compte rendu avec Antimas et puis Fresnel Toussaint. Économie ça pas faire route découper pour li battre bravo pour décision ça. Et dit la bossière arrêté quoi devant quantité de travail qui gain pour faire pour application arrêté ya, li nécessaire pour gain l'autre décision qui aller dans même sens qui prend. Et comme économiste m'a tant mesu ça depuis 25 ans. Les amis, depuis 25 ans m'a tant mesu ça parce que pas normal ou pas venir dans aucune économie moderne ou pas venir dans aucun pays développé même dans certains pays sous-développés. On ne pas dire la plupart des pays sous-développés, on pas vivre une situation où on a une double circulation monétaire. Donc, c'est une mesure qui est bonne, mais sauf que la mesure n'a pas de prendre conseil dans le contexte. On a de chiter avec plus de monde pour garder. Parce qu'en économie, quelle soit action opposée, il y a une réaction. Quelle soit action opposée, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Si c'est vrai, toute transaction l'argent doit être faite dans l'argent haïtien, et dit la boursière était quoi? Il faut que les qui prennent pour encourager la production nationale, ça qui a réduit la pression sur l'argent américain pour faire importation. On va regarder si le gouvernement sérieux, si les institutions haïtiennes telles que le ministère du Commerce, qui est responsable de l'application de mesures, là, si on va le mettre en application. Donc, l'homme met les mesures en application, ou pas en économie, on ne prend pas une mesure disparate, ou pas une mesure dans le système, son approche systémique pour gagner. Mesure ça de prendre. L'on approche systémique qui consiste à faire un plan global de développement. L'on prend comme ça et fait correspondant, on ne doit pas gagner.
On va pas dire bonjour grand matin pour un décret, faut frapper. En tant que gouvernement qui l'a pour encore 4 ans, le gouvernement a gagné un temps, c'est à mûrir les décisions. Pas du secteur privé à guérir, non. Mais m'obligé par les clés avant. Une décision comme ça, où tu apprends à l'intérieur d'un plan global de développement. Et la finalité de ce plan, c'est de lancer la production nationale. Laisse à même mon gars parler, tu as parlé de 2-3 jours, après tu as dit ferme mes bouchons, commencer à gagner production, demande pour dollars, tu as baissé, et puis mesure à t'apporter plus facilement l'application. Devant l'inquiétude d'un pile consommateur gagné, économie ça ferme. Même le fonds de transaction à l'étranger, il faut arriver sur le statement que la banque a promis, sur l'état financier que la banque a promis, et puis le mettre, ou tu as acheté pour 100 dollars en côté, ou transformer 100 dollars en gourde, et puis le mettre à côté taux de référence de la banque centrale. Qu'on y a que la banque centrale mette en place, parce qu'il y a une structure de contrôle, il y a une structure de supervision, que le ministère du Commerce augmente la capacité de supervision, de même que Banque centrale tout augmenter structure de supervision. Parce que pas bien, si son régime fort, si c'est un régime politique fort, même si il n'y a pas de supervision, pas de conscience. Arrêté 1er mars 2018, là, vini plusieurs mois après BAH, t'a annoncé décision pour éliminer les affaires pays 4 crédits avec l'argent américain dans le pays d'Haïti. Commission intérieure, commission planification dans le Sénat, avec chambre députée à Chita Palais, lundi 5 mars passé avec le ministre intérieur Mike Rudolph Saint-Albin, ministre planification à Viol Fleurin avec Fédération nationale magistrat haïtien. Dossier de blocage, fin communal yo t'en mis en discussion si la yo, côté yo rive jeune entente pour capable débloquer fond sa yo. Président de commission sa yo expliqué, tout projet magistrat était déjà identifié pour le débloquer. Alors que l'autre secteur qui était identifié magistrat yo pralé gain pour analyser yo avant yo ta soumettre yo bay ministère planification. Président commission planification serait le Jacinthe ak président commission intérieur France Denius Tenamiko Fedner confident ak Danius Théodore. Sous question fond commune noa nous arriver à une solution qui répartit comme ça. Sous budget rectificatif 2016-2017. Tout projet que magistrat yo se yo mande yo gon entente qui joine pour projet ça yo ministre planification avancé avec magistrat et ministre planification yo bra le fond inventaire magistrat collectivité yo la caillou chaque association yo yo bra le qui projet qui gen conflit sous lui y a fait inventaire ça ministre dans deux côtés parler pour yo joine yon modus vivendi pour projet sa yo magistrat approprié yo pour fonds communaux pour la commune yo pour projet yo dérapé sous question budget 2017-2018 nous d'accord entre nous problème ça faut le résoudre une fois pour toutes étant donné pour qu'on aucun projet pour qu'on gagne aucun magistrat qui écrit pour lui n'a continué rencontre là n'a continué faire discussion pour nous capable joindre une réponse appropriée et pour nous rester beaucoup plus au niveau légal. Sous projet 2018-2019, nous croyons que c'est la question structurelle là pour question à résoudre et côté pour le résoudre, c'est dans le budget Cabral fait. Donc là, nous obligés clair pour nous mettre chaque attribution au côté que nous obligés mettre. Tout le monde d'accord que le projet yo yo allé trop lent. Dans la même logique dialogue là, sénateur yo, député yo, bral continuer chita avec Fenam pour nous voir comment de façon structurelle nous capable résoudre li et c'est la loi qui vous permet de nous faire ça. Et c'est ça que fait nous gagner bon côté nous président commission finance, nous bral joindre tout avec finance chambre des députés. Et bien, pour l'échange, les trois commissions des deux chambres avec la FENAM nous garder comment définitivement et bien transférer à partir de budget et bien ensemble de fonds ça vers communio pour problème qui posé là aujourd'hui n'est pas reposé. Toujours dans le même dossier, si la ministre planification a violé Florent avec ministre intérieur, Mathieu Rudolph Saint-Albin, dit que c'était un problème de communication qui était gagné, qui la cause fonds communal pour être capable de débloquer.
C'est rencontre parlement fait et puis FINAM avec FINAM a facilité un commencement solution dans cadre dossier si là gain plusieurs rencontres qui prévoit organiser dans l'idée pour capable joindre une solution définitive à question si là ministre planification en viol Florent avec ministre intérieur Max Rudolf Saint-Albin Tanamiko Colio Elisée avec Théodore Danius. Je confirme que sous table c'est ça que nous arrivons à en solution. Au début de solution, en ce sens que pour budget 16-17 là, qui était voté fin année et fin juin de l'année 2017, eh bien, projet étant transféré vers les secteurs, à savoir travaux publics, intérieurs, santé publique, pour réaliser question de route, marché public et réaliser question de réhabilitation de centres de santé, etc. Que projet qui pas de problème yo, c'est mairie qui soumet yo, eh bien ces projets, on va directement et le plus vite que possible vers leur exécution. Projet que fait Nam ta gagné objection sous lit, à savoir que c'est pas mairie qui te soumet li, ou bien c'est avant au Kazek, eh bien on va faire un arbitrage pour permettre à ce que ça résoudre. Maintenant, pour 17-18, c'est budget ADSA, heureusement, que le processus de mise en branle là pour qu'on fait, eh bien, nous dit, Dalgon Chita entre FENAM, les trois commissions du Sénat de la République, Finances, Intérieur, Planification, les trois commissions de la Chambre des députés, Finances, Intérieur et Planification, pour qu'on mette tête ensemble en tant qu'élu, pour qu'on ait qui résoudre le problème dans, dans le dialogue. Et la solution, il y a imposé moi-même comme ministre. Pour ça, comment c'est sorti là, nous sommes tendus. Quoi que gon, clairement, il y a une entente qui a arrêté sous 2016-2017. Il y a une perspective de rencontre et d'approfondissement de solutions, même si l'UER a commencé à dégager pour 2017-2018, et certainement de façon, 18, et de façon structurelle, permanente et durable. Pour problème ça à poser et résoudre une fois pour toutes pour des budgets 2018-2019. Encore une fois, moi-même, moi vraiment content et honoré que je fais partie à discussion ça. Et c'est comme ça, encore une fois, je pense que Haïti a sorti dans sa lia. Et c'est ce genre pour définitivement, pour collectivité, joindre tout bon. Je crois que je vais souhaiter seulement compliment à tout le monde, à tout acteur qui est impliqué dans le processus de dialogue, ça, parce que c'est, nous tous, c'est pour Haïti notre travail. Président de la Fédération nationale des magistrats haïtiens, Jude-Edouard Pierre, qui était magistrat régional yo exprimé satisfaction la sous ces rencontres ça dans parlement que parlement était organisé et yo sorti et exprimé satisfaction sous ces rencontres ça parlement était organisé avec le ministère planification et puis ministère intérieur dans cadre déblocage fonds communal yo magistrat Pierre dit yo peut yo entendre tout projet mairie été identifié pour exercice 2016-2017 là yo pral débloquer magistrat Jude-Edouard Pierre pas d'accord avec l'idée pour ta gagne l'autre entité qui soumet projet si ta gagne l'autre entité qui soumet projet mairie doit analyser pour connaître si oui ou non il y a pas prouvé projet qui concerne exercice 2016-2018 yo gagne rencontre qui pral faire yon manière pour capable joindre formule pour débloquer on peut vite suivre maire c'est premier responsable au niveau communal nous te dit position finalement c'est que les mairies les maires doivent s'approprier justement de tous ces projets. Et nous te dit ça, nous demander que Vimayo Mirio, son position FENAM te gen les maires te gen par rapport à statut Mirio, position ça, eh bien, par rapport à discussion que se fait yo et niveau engagement qui prend déjà sous projet yo dans l'ensemble de communes de la République, compte tenu du fait que depuis 30 septembre, c'est ça, c'est là fini. Donc nous entendons sous principe ça que le projet va continuer avec un bémol que seulement les projets qui ont été déposés par les mairies seront exécutés. Les projets qui n'ont pas été déposés par les mairies seront réévalués
et c'est mairie qui parle pour écrire projet pour le ministère planification. Comme toujours dit ça, moi répète que magistrat yo entend avec député yo pour yo déposer projet yo. Mais question c'est député pour signer son projet pour ministre au recevoir là, nous même nous compte ça nous pas d'accord. C'est obligation que magistrat yo entend avec député yo dans commune yo, nous reprend ça. Sur deuxième point c'est budget 17-18 là. 17-18 là pour le projet qui est engagé. Demande finalement qui s'allie, c'est comme c'est 17 là nous pas de temps par rapport à niveau engagement de pension sur projet, parce que ça déjà très loin. Mais sur 17-18 là pour cob de virer directement sur compte mairie. Il y a un petit bémol que sénateur omette par rapport à question à dimension politique question. Il a proposé avec député yo pour gagner l'autre rencontre qui fait sous lui qu'a joindre une solution définitive. Mais ça c'est la position de la FENAM, la proposition de la FENAM sur exercice 17-18 là. Et il y a une discussion qui peut l'engager pour que pour exercice 18-19 là, justement, le problème ça résout de manière définitive, que les clairement dit que font ça et déloger, délocaliser, ils veulent le ministère intérieur. Et il y a un dénouement plus ou moins acceptable aujourd'hui, et il y a un rencontre qui va le faire entre le conseil exécutif FENAM, les 10 présidents et concernés, ministres, pour nous joindre une solution rapide. Ambassade Venezuela en Haïti commémoré lundi 5 mars, 5e anniversaire de mort président vénézuélien Hugo Chavez. Pour occasion, ambassade l'a organisé une messe dans l'église Notre-Dame miraculeuse de Fleurio. Après ça, ambassadeur vénézuélien Luis Ernesto Diaz Cubero est allé déposer un jet fleur en bas de statue Hugo Chavez qui se place qui pote dans lit non maïgaté. Donde estamos rindiendo homenaje al comandante Hugo Chávez. Nous profiter pour nous être capable de faire activité ça en hommage avec 5e anniversaire de mort commandant Hugo Chávez. C'est même gens tout au Venezuela dans ce moment ça et yo a commémoré 5e anniversaire de mort commandant Hugo Chávez. Tout pays qui vient pour avec Petrocaribe yo invité pour capable participer dans activité ça. Nous pas oublier que notre pays préféré commandant Hugo Chavez c'était Haïti. Et de même tout pour commandant Nicolas Maduro. Côté que n'a pas rappelé nous de révolution bolivarienne non. Et n'a pas n'a fait un hommage pour commandant Hugo Chavez. C'est en date côté que tout pays dans tout pays côté que nous gain ambassade nous et yo même tout yo fait et commémoration ça. Voilà, nous déjà arrivé dans le moment pour nous aller dans l'actualité internationale. Je viens d'annoncer les différents titres au président nord-coréen Kim Jong-un recevoir délégation présidentielle coréen dans une rencontre ça y a pas continuer fait dans l'idée pour capable rapprocher dans le cadre des Jeux Olympiques. On compte ça au bas ouverture à quelle autre négociation. Le président des États-Unis. Nouvelle illustration de l'amorce de détente sur la péninsule coréenne, le leader nord-coréen Kim Jong-un a reçu les émissaires du président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang. Une visite chaleureuse ponctuée d'un dîner qui intervient dans la foulée du rapprochement olympique. Lors des JO, la sœur du leader nord-coréen avait remis une invitation au président sud-coréen pour un sommet à Pyongyang. Cette visite fait partie de la mise au point de cet éventuel sommet dans l'espoir de continuer à apaiser les tensions sur le nucléaire. Pour l'heure, Séoul a indiqué qu'aucun accord n'avait été conclu. Cette visite était aussi une grande première depuis l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir en 2011. L'autre information dans le journal, le président américain a tout support avec le chef gouvernement israélien qui pour qu'on ait trouvé une situation politique en crise. Tout maintenant, je vous invite à suivre un compte rendu à Euronews. Le président des États-Unis pourrait bien assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai prochain. C'est ce qu'a laissé entendre Donald Trump en recevant le premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Un soutien de poids pour Benjamin Netanyahu, alors que celui-ci est confronté à un début de crise gouvernementale qui pourrait bien provoquer des élections anticipées. Entre les durs de sa coalition qui veulent toujours plus et les accusations de corruption, Netanyahu est cerné de toutes parts. Quelques heures avant cette rencontre, il a appris que l'un de ses proches, Nir Efetz, avait signé un accord lui conférant le statut dit de témoin d'État en échange de la mansuétude de la justice dans l'affaire de corruption d'Ed Bezek, du nom du plus important groupe israélien de télécommunications.
Depuis que cette affaire a éclaté, des manifestants protestent devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, appelant à sa démission. Dans l'occasion de la 34e conférence lundi de la presse dans le ministère de la Communication, nous recevons lundi 5 mars 2018 le directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, qui était en clé de cadre dans l'institution. C'était l'occasion pour le directeur général de présenter différentes phases projet, réhabilitation, ligne, transmission, pylône 115 kV qui permettent courant arriver dans Delma 33 dans le cadre de travail à faire pour capable bailler courant 24/24. Ingénieur Hervé Pierre-Louis fait qu'on ait un travail pour améliorer la production d'électricité d'Haïti. Nous invitons à suivre un extrait de Namiko Rachel Saint-Foac, Laurent Dali Jean-Jacques. Maintenant, centrale Pélig réhabilité, il faut que l'énergie qui produit transportée de manière sûre vers Port-au-Prince. Ligne, même gens avec centrale là, datée de plus de 50 ans. De Delma, de l'île à voie 17, pardon, à Delma 33, toute ligne ça où elle passe en bataille. Liberté, pour nous construire n'importe quel genre, il y a des coûts. Les coûts, l'État haïtien m'a répété encore millions de dollars en plus parce que, au lieu de câbles aériens, câbles albassants battaient. Présentement, travaux ont fait dans la zone Cafou-Fleurio et depuis une semaine, il a commencé, il va durer encore 2 semaines. Travail ça yo bral créer inévitablement des perturbations dans la circulation. Moi mandé compréhension publique là, c'est pour bien nous, c'est pour plus courant que nous capable de joindre. Donc prend un petit patience, accepter inconvénient que ça a causé à sur façon pour demain vienne bi bon. De même tout dans zone de l'île à voie 17 à Carrefour Marassa. En particulier, dans la zone Carrefour Marassa, le travail a commencé tôt depuis quelques jours. Ce qui bralbaille encore des perturbations, mais perturbations, ça, c'est pour au mieux-être. Donc, il y a environ 9 km pardon, de câbles aériens qui bral remplacer par câbles souterrains. Et voilà, c'est avec dernière information ça que le journal l'Akaba pour jeudi. Mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble point qui était fait essentiel. Commission intérieure, commission planification dans le Sénat République, là, je suis à parler lundi 5 mars là, avec le ministre intérieur, Mike Rudolph Saint-Albin, ministre planification à Viol Fleurant, avec la Fédération nationale magistrat haïtien. Dossier déblocage fonds communal, il y a une discussion. Économiste Di Laboussière salue décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans affaires commerce faite avec l'argent haïtien. Économiste l'a encouragé application, mais ici là. Directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, présenté différentes phases projet réhabilitation, ligne transmission, pylône 115 kV qui permettent courant arriver Delma 33 dans le cadre de travail à faire pour bailler courant électrique 24/24. Et à l'échelle internationale, nous sommes allés dans la péninsule coréenne pour nous faire connaître le président nord-coréen Kim Jong-un recevoir une délégation président sud-coréen. Une rencontre ça peut continuer dans l'idée pour rapprocher un cadre des Jeux olympiques. Toutefois, une rencontre ça a été ouverte à l'autre négociation. Nous sommes contents ensemble avec vous matin, nous sommes capables de porter pour la deuxième sortie télé-journal là. Pour la semaine si là, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi et surtout, restez branchés télévision l'État puisque l'information après pour suivre.